Bien bonjour à tous et bienvenue à bord de l'Océanite. Nous sommes donc partis pour une promenade qui va nous faire découvrir, enfin vous faire découvrir, l'archipel des Sept Îles et la côte de Granit Rose. Deux thèmes principaux durant cette promenade en mer, bien évidemment les oiseaux de la réserve naturelle des Sept Îles avec son historique, mais également les rochers de la côte de Granit Rose à la couleur forme quelque peu surprenante là qu'on laisse sur notre côté gauche. Comment va-t-on organiser notre temps? On va d'abord traverser en direction des Sept Îles, et plus précisément de l'île Rosic. Elle est sur l'avant du bateau, légèrement sur la gauche. C'est là-bas que l'on rencontre la plus forte concentration d'oiseaux marins, et entre autres une colonie de foutre-bassons qui représente près de 20 000 individus, enfin 20 000 couples, pardon. Je ne vais pas détailler plus que cela. Vous avez vu Angèle et Juan à l'embarquement, ce sont eux, hein, qui prendront le micro et qui donc vous exposeront tout ce qu'on verra depuis le bateau. Donc après avoir évolué autour de l'île Rosic, on longera tout l'archipel des Sept Îles d'est en ouest, ce qui veut donc dire de la droite vers la gauche, hein, lorsqu'on regarde vers l'avant du bateau, ce jusque l'île aux roches du cercle, le plus sur la gauche là-bas, et enfin retour vers la côte. Donc moi vous ne m'entendrez pas beaucoup. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter maintenant? J'ai parlé de sécurité à bord, autre chose très simple, hein, j'ai parlé des déplacements dans le bateau. Alors bien sûr, vous pouvez vous déplacer, ça pose aucun souci. Sachez quand même que sur les lieux d'observation, bon, je ferai en sorte de présenter l'avant, l'arrière, côté gauche, côté droit du bateau, afin que tout le monde profite du spectacle, hein, quelle que soit la place à bord. Bon, tout ça dans la mesure où les rochers qui nous entourent me le permettraient, bien évidemment. Mais si vous vous déplacez dans le bateau, hein, c'est toujours tranquillement, sans courir, en gardant une main de libre, hein, pour pouvoir vous tenir, vous retenir à quelque chose de fixe sur le bateau en cas de déséquilibre. Parce qu'un bateau, ça bouge, bien sûr. Donc, siège et banc sont faits pour être assis, pas debout dessus, on ne se penche pas à l'extérieur du bateau. Pour ce qui est des marches, les accès au pont supérieur, il y a des rambardes de chaque côté, hein. Tenez-vous à la rambarde, que ce soit pour monter ou pour descendre. Et encore, bah, toutes les portes, là, vous allez rencontrer des barres fixées au sol. Et quand on passe les portes, il faut lever le pied. Bon, des choses toutes simples. De longues phrases qui se résumeraient par tenez-vous et regardez où vous mettez les pieds. Mais quand on met ça en application, ça évite bien des petits soucis. Bon, je termine par la météo. Bon, le ciel, on va dire nuageux, mais on pourrait être optimiste. Hein, parce que ce qui vient vers nous, c'est ce qui est sur la gauche. C'est quand même mieux que ce qui part sur la droite. Donc, ça, c'est pas mal. L'état de la mer, il est bon. Bon, de temps en temps, ça bouge un petit peu. Hein, ça, c'est selon les endroits, il y a des phénomènes de courant. Mais ça dure quelques petites minutes. Donc, globalement, l'état de la mer, il est bon aussi. Je pense, ou j'espère du moins, que ça vous permettra de faire une jolie promenade. C'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous. Alors bonne traversée et à tout à l'heure. Angèle et Juan, il reste les ballons à l'avant tribord.
dos blanc, au bout des ailes noires, la tête jaune et les yeux bleus. Alors le foudre-bassin est considéré comme le plus grand oiseau marin de l'hémisphère nord, avec les 1,4 mètres. Alors pour trouver plus grand, il faudra aller bien au sud pour y voir l'albatros. Quoique parfois certains albatros remontent au-dessus de l'équateur. Mais bon, malgré tout, ça reste un grand oiseau marin. Alors le foudre-bassin, ça va être un oiseau marin, donc comme je viens de le dire, migrateur et pélagique. Donc je vais détailler ces trois points avec vous. Alors pour être un oiseau marin, il faut une plume à palper, un plumage étanche et une glande à sel. La glande à sel, c'est un petit dispositif qu'ils ont dans le cerveau afin de désaliniser l'eau. Donc aucun problème d'hydratation pour eux quand ils sont au large, au grand large. Alors d'ailleurs, le grand large, ils le connaissent bien, car ils sont pélagiques. Donc ces oiseaux, quand ils ne sont pas ici pour la reproduction, ils vont être en pleine mer. On va pouvoir les retrouver dans la baie de Perros-Guirec, baie de Saint-Brieuc, en Manche, golfe de Gascogne ou encore en Méditerranée. Donc migrateurs, vous l'avez bien compris, ils ne sont pas là toute l'année, ils sont là 6 mois. Alors nos fous, ils vont commencer à arriver fin janvier. On va estimer que la colonie est au plein de son effectif mi-mai. Alors ah oui, notre capitaine Régis me fait signe. Nous avons un ami moustachu, un phoque gris, qui est en train de faire sa siège digestif dans notre travers bâbord, travers gauche. Alors vous voyez, en plus, il bouge, il nous aide. Sur les rochers, vous voyez une masse sombre, une masse noire, grise, sur la droite, dans le contrebas, vous voyez? Alors malheureusement, je ne peux pas le montrer à tout le bateau, donc ceux qui l'ont vu, essayez de vous le montrer les uns les autres. Une grosse masse sombre, alors c'est un gros mâle, je pense, vu son gabarit et sa couleur. Sur les rochers qu'il va y avoir sur le travers arrière gauche. Donc à droite de ces rochers-là, vous allez voir une grosse masse sombre. Alors c'est un phoque gris, à ne pas confondre avec le phoque vaumarin qu'on va retrouver en baie de Seine ou en baie de Somme. Allez, il bouge la queue, il nous aide, même la tête, là il se relève un peu. Super, alors il est en pleine sieste, je pense bien, car nos phoques ils sont régis par les marées. Alors ici, oui, nous avons des marées avec un marnage assez important. Pendant les 6 heures de pleine mer, ils vont être en chasse, ils vont s'alimenter. Et quand la mer va commencer à redescendre, ils vont trouver un rocher assez confortable afin de se reposer, de faire une sieste digestive. La mer va donc redescendre, ce qui va parfois va en retrouver à 5-6 mètres de hauteur. Et puis ils vont attendre que celle-ci remonte afin de pouvoir regagner les flots. Donc comment je sais que c'est un mâle? Alors tout simplement, grâce à son gabarit, dans un premier temps, les mâles sont plus gros que les femelles. La femelle va osciller autour de 150-200 kg, tandis que le mâle, lui, tournera au plus autour de 250-300 kg. Alors il y a également sa couleur. Les mâles vont avoir tendance à être plus sombres que les femelles. Et son museau, donc là il est un peu loin pour le voir. Féminité oblige, le museau de la femelle va être plus fin, plus profilé, tandis que celui du mâle va être un peu plus rabougri, avec des naseaux un peu plus ouverts, plus gros. Alors là il va attendre, donc la mer est en train de remonter actuellement, imaginez-vous bien que ce rocher d'ici 2 heures sera immergé. Alors peut-être qu'on en recroisera au long de la balade. Alors je vous rappelle quand même qu'on est sur une réserve naturelle et non zoologique. C'est donc au beau vouloir des animaux. Allez, je vais revenir quand même sur ma colonie de foudre-bassin. Alors comme je vous le disais, ils arrivent fin janvier. On peut estimer que la colonie est au plein de son effectif en ce moment, fin mai, début juin, et ils vont repartir fin septembre, début octobre. Donc si vous venez ici, fin octobre, il sera totalement vierge de tout pollen. Alors nos fous, ce qu'ils vont faire au mois de janvier en venant, la première chose, c'est retrouver le même nid que l'année précédente. D'autant plus qu'ils vont le faire avec le même partenaire. Ce sont des oiseaux très fidèles. Et ce, pour une durée en moyenne de 15-20 ans. C'est leur espérance de vie. Alors ils vont trouver leur nid, vous imaginez bien, avec les intempéries de l'hiver aura été annulée. Alors ils vont commencer dans un premier temps par le retaper. Alors d'ailleurs, si vous observez, certains des individus ont des paquets d'algues dans le bec. Ce sont des algues fraîches. Alors nos fous, ils aiment bien leur petit confort. Et ce pont-là de l'île étant exposé au nord
et les vents, par chez nous étant surtout de nord, les algues vont vite sécher. Le pourquoi, ils vont réalimenter en permanence leur nid pour se maintenir un petit nid douillet. Alors ils vont se retrouver, vous voyez, hein, il y a 3-4 nids à peu près au mètre carré. Les nids, ce sont ces petites topinières, ces mottes sur lesquelles on va voir les oiseaux. Alors un oiseau équivaut à un nid. Il y aura toujours un gardien sur le nid. Donc nos oiseaux, ils sont dans un premier temps effectivement très fidèles, mais ils vont se partager toutes les tâches, que ce soit l'alimentation du nid, que ce soit couver l'œuf, alternativement mâles et femelles vont le faire, pour les parties de pêche, pour garder le nid, donner la pitance aux petits. Ils vont tout partager. Donc le petit, alors après hein, la reproduction, en résultera un seul et unique œuf. Donc, malheureusement, si celui-ci tombe et se brise au début de la reproduction, il y aura un œuf de remplacement, mais on trouvera un seul œuf. Donc un œuf qui va être couvé 45 jours et qui va donner naissance à un petit tout noir. Lui, il sera tout noir, il ne sera pas comme ses parents. Et les parents vont l'alimenter, vont s'en occuper pendant 3 mois. Ils vont tellement bien le nourrir, hein, ce petit, qu'il va être un petit peu dodu. Alors un fou de bassin, en moyenne, veut faire 3 kg, 3 kg 5, et le petit, lui, tournera autour de 4 kg 5, ce qui sera donc problématique pour son premier envol. Donc, malheureusement, certains de ces petits finissent au pied de la colonie, car ils ont loupé hein, le premier envol, le pourquoi les suivants ne vont pas les imiter et vont regagner l'eau à pattes. Donc une fois qu'ils sont sur l'eau, ces jeunes fous de 3-4 mois, ils vont avoir un petit souci, car un fou qui ne sait pas voler ne peut pas pêcher. Donc il va vivre une petite période de disette, hein, d'une dizaine de jours, qui va lui permettre de perdre son kilo de trop, et après, par la suite, il pourra décoller de la surface de l'eau. Et il partira au large de l'Afrique, de l'Ouest, en face de la Mauritanie et du Sénégal, afin de grandir. Il reviendra à l'âge de sa maturité sexuelle, autour de 4-5 ans, sur sa colonie initiale. Donc les fous, hein, vous imaginez bien, ils sont quand même assez proches les uns des autres. Ils ont une règle d'or. La règle numéro 1 chez les fous, c'est chacun chez soi, personne chez les autres. Vous ne verrez jamais un fou traverser la colonie à pattes. Hein. Règle qu'il est vraiment important de respecter. Alors si vous les observez, ils ont un langage hein, aussi corporel. Alors certains vont faire un petit non-non de la tête ou vont batillonner un peu des ailes, tout simplement hein, pour prévenir les voisins de ne pas empiéter sur leur nid. Alors si vous regardez aussi ceux qui atterrissent, ils atterrissent vraiment pile poil sur leur nid. Alors ce qui va les différencier, hein, ces fous qui sont tous similaires, c'est leur cri. Alors si vous les entendez, hein, on est loin du chant des rossignols. Alors, ils n'ont qu'une seule corde vocale, ces oiseaux. Le pourquoi, ils vont émettre ce croissement hein, du lever du soleil jusqu'au coucher. Et ça va permettre à celui qui est parti en partie de chasse, de pêche, ou encore qui est parti chercher des algues, de pouvoir repérer son nid afin d'y atterrir. Donc le gardien va servir de tour de contrôle. Donc il y aura toujours un gardien sur le nid, hein, car un nid abandonné est un nid squatté. Vous en voyez également hein, qui sont face à face, cou tendu, à se faire des petits câlins de bec. Alors c'est une sorte de parade nuptiale, ils ne voient pas beaucoup nos fous, hein, vu qu'ils se relaient pour toutes les tâches. Ils vont juste se voir 10 minutes, hein. On en voit là, juste là. Hein. Ils vont se voir 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, s'assurer que tout se passe bien afin que l'autre puisse repartir. Alors Régis, hein, notre capitaine, joue vraiment le jeu. Hein. On se retrouve vraiment au pied, au cœur de la colonie. Alors je vous disais tout à l'heure qu'un fou qui ne peut pas voler ne peut pas s'alimenter. Le pourquoi on les a appelés d'ailleurs les fous. Alors leur technique de pêche est assez impressionnante. Hein. Ils vont survoler au-dessus de la surface de l'eau à 40-50 mètres. Ils vont faire un piqué vertigineux à une centaine de kilomètres heure qui va faire qu'ils vont s'enfoncer à 6-7 mètres de profondeur et ils vont gober directement leur poisson sous l'eau. Ou le stocker dans le jabot. Le jabot, c'est la petite poche hein, qu'ils ont dans le cou afin de stocker l'alimentation pour pouvoir donner à manger à leurs petits. Alors les marins de l'époque, hein, voyant ça, se sont dit « Mais dis donc, ces oiseaux, ils sont bizarres. Ils prennent des risques incroyables pour pêcher, mais à chaque fois, ils font chou blanc, ils n'ont jamais un poisson dans le bec. Ils sont complètement fous. Le pourquoi on les a appelés les fous. » Et de Bassan, car leur colonie initiale, la toute première colonie, se trouve en Écosse, sur une petite île en face d'Édimbourg qui s'appelle Bass Rock. Et Bass Rock, en gaélique, se dit Rock Bassan. Bassan, Bassan, vous faites l'association des deux, et cela nous donne donc les fous de Bassan.
D'ailleurs, hein, ils n'ont pas toujours été à Rouzic, nos fous. Hein. Les premiers ont été observés en 1939. Donc c'est une trentaine de couples hein, téméraires qui a quitté sa colonie initiale, qui a migré au sud et qui est tombé sur Rouzic. Rouzic étant l'île la plus au nord de la Bretagne et où il n'y a aucune présence humaine, hein, à 10 km du continent, c'était l'endroit propice afin de développer une nouvelle colonie. Donc les fous de Bassan sont piscivores, ils mangent que du poisson, ça va être la sardine, le maquereau, le lançon, l'orfie. Et on peut estimer qu'ils mangent à peu près 500 grammes hein, de poisson par jour. Et pour les trouver, ces 500 grammes, hein, ils vont en parcourir des kilomètres, nos fous, hein, car il y a de moins en moins de poissons quand même. Alors je ne vous cache pas que s'il y a un banc de maquereau hein, à côté de Rouzic, forcément ils ne vont pas le louper. Mais ils en parcourent des kilomètres. Leurs parties de pêche hein, peuvent durer 24, 36, 48 heures, si ce n'est plus, certains. Et ils vont pouvoir, ça va osciller entre 400, 600 km hein, aller-retour. Donc un fou vole en moyenne à 60 km/h, c'est un bon planeur. Mais malgré tout, hein, il en fait de la route pour s'alimenter. Donc imaginez bien. Alors ici, en 2017, a été recensé précisément 18 919 couples par la LPO. Alors vous faites le calcul hein, au niveau du tonnage, on oscille autour de 15 tonnes de poissons par jour pour la colonie. Je vous invite vraiment à ouvrir les yeux en grand hein, afin de pouvoir observer un maximum toutes les espèces que nous offre l'archipel. Alors là, Régis hein, s'approche d'un rocher. Sur la gauche, vous allez pouvoir peut-être les voir dans le bleu des yeux. Hein. Alors vous voyez, il y en a un des fous qui va avoir des taches noires qui vont un peu qui vont être dans la prolongation de leur aile. Alors, nos fous, normalement, à l'âge adulte, ils sont vraiment d'un blanc immaculé. Hein. Et les jeunes, comme je vous le disais tout à l'heure, ils naissent noirs, ils vont rester noirs pendant un an, et ils vont s'éclaircir avec le temps. Donc, ils n'auront que le blanc immaculé à l'âge de leur maturité sexuelle. Donc, on peut se dire que celui-ci, il n'est pas... Bon, il va peut-être avoir 3-4 ans, hein, mais on voit encore des taches noires. On peut se dire qu'il est plus jeune que les autres. Et forcément, alors là, le fait que ce goéland argenté vienne se poser ici me permet de faire une petite réflexion. Alors, le fou de Bassan n'a pas de prédateur potentiel, mais le prédateur numéro un ici va être le grand goéland marin, le goéland, et qui a tendance généralement à se poser toujours au-dessus des autres espèces. Le pourquoi, ça m'étonne de voir ça. Mais il n'est pas bien resté bien longtemps, vous me direz non plus. Hein. Alors, ceux qui sont nés ici cette année, alors comme je vous le disais tout à l'heure, hein, ils vont migrer à l'ouest de l'Afrique, au niveau du Sénégal et de la Mauritanie, au grand large. Hein, ce sont des oiseaux pélagiques. Hein.